Chez les Noah, le tennis est une affaire de famille, une histoire qui s'écrit à plusieurs mains. Depuis si longtemps, Yannick Noah ne pense pas à autre chose qu'à la compétition. Sans se prendre au sérieux, il a la fougue des grands champions, la rage de vivre la victoire jusqu'au bout de l'effort. Ce 5 juin 1983, le central de Roland-Garros est envahi par la foule des photographes et des amis et de quelques supporters aussi. Patrick Jarnoux pointe son appareil photo sur la scène à ne pas rater. La scène d'une autre émotion, Yannick Noah qui vient de gagner le tournoi de Roland-Garros contre Matt Wilander enlace son père, Zachary. Le baiser d'un père à son fils, le baiser d'une reconnaissance réciproque, le baiser des larmes de joie.